Salut la team Royal B. Aujourd'hui, trail des Calanques. Parcours en veau, 56 km, 2900 de dénivelé. Autant le dire tout de suite, je me suis bien fait claquer. Et en plus, j'ai aucune excuse. Aucune. À quelques minutes du départ du parcours en veau du trail des Calanques, après une semaine de non course à pied, voire un peu plus avec la grippe, comité réduit, pas plus sans coureurs et pas de musique au départ. C'est un bon point. Pas d'arge départ, mais par contre une présence notable du TCP. Toujours. Les meilleurs, je sais pas le dire, mais les meilleurs. Gibus n'est pas là. Ah, il y a un décompte. Décompte à l'ancienne. 5, 4, 9, 3, 2, 1, go! Tu vois ce gars-là? Ce gars qui fait le décompte, là. Thomas, du TCP, chaque fois que je le croise, il est de plus en plus fort. Et moi, je suis de plus en plus faible. Parce qu'en fait, je suis de plus en plus vieux. Je n'ai pas encore commencé à courir. On est parti de la cité universitaire de Lumini, plus exactement du tennis club. On est en train de la contourner, cette cité universitaire, qui s'avance dans le massif des Calanques. Et là, on monte par une très large piste en direction, ça ne s'invente pas, du col Ricard, pour nous mettre immédiatement dans l'ambiance. On dirait pas comme ça, mais on a basculé côté sud du massif avec l'aurore sur la mer, la Candelle qui est en train de disparaître là. Voilà, on passera au pied de la Candelle. Alors je tiens à dire, franchement c'est génial, ces départs de course, sans ce cérémonial là, pompeux, avec la musique, là, tout ça et patati patata. Là c'était très simple, et c'est comme ça que je trouve que c'est le mieux pour lancer une course. Je sais pas si ma phrase est syntaxiquement correcte, mais bon. Le calcaire des Calanques. Alors qu'est-ce que la Candelle? La Candelle, c'est une paroi qui a la particularité de former une aiguille, d'être détachée sur ses quatre côtés.
elle domine la calanque de Sugiton, la calanque des Pierres Tombées et la calanque de la Lec. Elle est elle-même, cette grande paroi qui, face sud, fait 120 mètres. Elle est posée sur un socle qui fait 150-170, grand socle calcaire, qui lui-même se trouve à une cinquantaine de mètres au-dessus de la mer. La Candelle culminant à 454 mètres. Et elle est adossée au Mont Puget. Le Mont Puget qui est le sommet des Calanques avec Marseille Vert, qui doit faire plus de 500. Cette large piste, qui a l'air très calme, eh bien, dans 2-3 heures, elle sera noire de promeneurs. Bonjour. Pardon. Prendre ça, ça a l'air bien, ça. Et ça, parce que c'est bon pour la santé. Je pense que là, c'est bon. Merci, bonne journée. Là, on est au col de Sugiton. On monte vers le col Ricard. Oui, parce que le massif des Calanques est tout petit. Stricto sensu, il fait 15 km de longueur sur 2 km de profondeur. Je compte pas les parois, les falaises de Soubérane qui sont après Cassis. Le massif des Calanques, c'est Marseille-Cassis. Tiens, c'est le nom d'une course. Et il est évidemment immédiatement jouxté par la deuxième ville la plus peuplée de France. Bref, c'est un écosystème très singulier et très fragile. Et c'est pour ça qu'on a un parc national. Et sur cet événement, sur ce trail des Calanques, un nombre de coureurs réduits, c'est déjà exceptionnel, qu'ils puissent organiser la course. Avec Pascal qui fait la vidéo de la course, la vraie, pas l'inside. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer, la deuxième ville la plus peuplée de France, on voit Notre-Dame-de-la-Garde. Ça c'est Pascal qui dit, c'est pas moi, moi je prendrai pas parti dans ce genre de débat extrêmement glissant. Vous le verrez sur sa vidéo, hein. C'est la plus belle. Ouais, non, mais on va pas dans Marseille. Marseille, les Calanques, c'est Marseille aussi. C'est Marseille. Il y a deux tiers Marseille, un tiers Cassis. Ouais, oui, mais bon, on va dire que c'est Marseille. Ciao, bonne journée. Merci. Sainte-Baume, à droite avec le soleil qui se lève. Donc là on est derrière le Mont Puget, dans les Ubacs des Calanques. Oula. La ville est à gauche, mais elle a disparu derrière la colline. Et c'est à ce moment quand même de la course, bien qu'on n'ait pas encore vu la partie sud, enfin, on l'a vu dans la nuit, donc on l'a pas vu. On n'a pas encore vu la partie sud du massif, on se dit déjà que c'est un privilège d'être sur cette course. C'est un privilège, il n'y a pas d'autre mot. Puget. Là, on vient de passer le col Ricard, grosse exception, il n'y avait pas de ravito. Avec un nom pareil, tu es obligé de mettre un ravito, non? Alcoolisé, bien sûr. On descend par un vallon qui longe tout l'Ubac et des Calanques. On va en direction d'Envaux. Tiens, c'est le nom du parcours.
avec l'arrivée à Passeret, dans le parc du, je crois que c'est le château de Passeret, on est sans doute sur une des sections les plus cool du parcours. C'est un peu, comment dirais-je, le calme avant la tempête. Regardez comme c'est beau ce terrain, il est large, il est souple, il est plat, légèrement descendant. Que demander de plus? Le numéro 2... Oh, c'est Franck! Numéro 2 est 48e. Plus que 46 places. Ouais, mais alors, il y a plus fort, hein. Il y a plus fort, hein, il y a le Ménès Trail sur la... Et lui, il chante et il joue de la musique en même temps. Je voulais le catcher, là, ce matin, mais bon... Il y avait trop d'aficionados qui l'entouraient. Et je voulais lui faire une interview pirate, tu vois. Bon, rien n'est perdu. Hey, je l'ai faite, l'interview flibuste de Philippe, aka le Ménès Trail. Dis, c'est toi qui as fait le trail de Guinness? Ouais. J'ai vu ta vidéo. Tu t'es inscrite pour le faire? Je l'ai fait il y a 2 ans, sur la première édition. Ah ben, la même année. Toi, t'as fait le grand. Oui. Et moi, j'ai fait le 100. D'accord. Voilà. J'ai vu ta vidéo après le coup. C'est gentil, merci. Non mais tu vois, tu sais, pour présenter aux copains, tu vois, dire tu vois, j'ai fait ça et c'était cool, franchement super. Ouais, parce qu'il y a une grande partie, les deux derniers tiers, c'était le sang, quoi. Ouais, bah oui. Oui, parce qu'en fait, vous avez la première boucle au départ de Guilès pour rejoindre Abrigas. Ouais, c'est ça. Et là. Bon, elle était dans la nuit tout à l'heure, mais la voilà, devant nous, la Méditerranée. En Vaux, c'est la cassure qui est à droite, là-bas. Mais on passera pas par En Vaux. Là, il y a une petite maison, c'est la maison de la Gardiole, puisqu'on vient de passer le col de la Gardiole. Et on est donc à l'extrême est du massif des Calanques. Et on va voir une journée... ensoleillé. Les falaises de Soubérane au fond, voilà. Alors ça, c'est plus les Calanques. Ce sont les plus hautes parois, peut-être, d'Europe. Hein. Elles sont à 400 au-dessus de la mer. Enfin, on m'avait dit ça. Et je dois vous avouer que je doute énormément que ce soit les plus hautes falaises d'Europe. C'est un peu une misère, ces parois, d'ailleurs, parce que c'est les restes d'un ancien fleuve, des dépôts d'un ancien fleuve, des alluvions. Vous avez une strate de calcaire gréseux totalement pourrie. Après, vous avez une belle bande de grès par endroit, mais elle doit faire au max 30-40 mètres de haut. Et puis après, ça se finit par du poudingue. Le poudingue, c'est justement ce dépôt limoneux d'une ancienne rivière qui coulait dans le sens inverse de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle venait côté mer et elle allait côté terre. Enfin bon, c'était une époque très ancienne, bien entendu. Voilà un très beau plan de séquence qui annonce une vidéo de plus d'une heure. Le deuxième ravito, 100% bio. Arrête avec tes boissons isotoniques, tes barres, je sais pas quoi. Banane, quoi. T'as réfléchi. C'est pourtant bien que je dis ça. Hein. Au-dessus, à droite, caché par la végétation, la maison de la Gardiole. Et donc, à partir de maintenant, ça y est, on est tout le temps côté sud du massif. C'est parti pour le grand festival. Soubérane au fond, dans l'axe. Montcom, les monts du Toulonnais. À droite de l'arbre, c'est la Sainte-Baume. Et à gauche, c'est Garlaban. Et tout au fond, ben, les Préalpes
de, je sais pas, les Préalpes-Digne, ouais, sans doute. S'appelle le vallon de la réserve. C'est un nom que les grimpeurs ont donné parce que Chloé, il y a des parois là, ouais, qui sont restées sauvages, interdites à l'équipement, et donc c'était la réserve après avoir grimpé tout ce qui était évident qui surplombait la mer. Ils avaient ce vallon, le vallon de la réserve. Là on est sur la dorsale du mont Puget. D'un côté la mer face sud Calanque, et de l'autre, ben, la ville. Je vais faire un petit détour pour vous la montrer. Voilà, la ville, les îles du Frioul, le col de la Gineste, quand on passe le col Ricard, on est à côté, pas loin, du col de la Gineste, et cette montagne, cette colline, c'est Carpiane. Carpiane. Avant de quitter le côté est des Calanques, j'aimerais parler de deux choses qui sont quand même deux choses exceptionnelles pour le massif et qui suscitent toutes deux dans la Calanque de Port-Mioux. Alors la Calanque de Port-Mioux, c'est la dernière Calanque dans laquelle a été ménagé des carrières puis un petit port de plaisance. Et qui jouxte Cassis, c'est là-bas. Alors ce calanque, elle a quand même deux faits remarquables. Le premier, c'est que à je sais plus combien de mètres sous le niveau de la mer, je le noterai quelque part sur la vidéo, arrive un fleuve d'eau douce, bien sûr, alimenté par les massifs de l'arrière-pays, Sainte-Baume et sans doute jusqu'aux Alpes. Et ce fleuve a un débit de 7 mètres cubes seconde. Autant dire que c'est beaucoup. La galerie de ce fleuve a été explorée jusqu'à 2200 mètres. Après quoi, la galerie se rétrécit. Elle fait 20 mètres de large sur 2 km. Après, elle se rétrécit et la suite, ça sera pour les deux futurs explorateurs. L'autre fait remarquable, au lieu dit cacao, ou un peu comme cacao, de la Calanque de Port-Mioux, il y a une grotte. C'est pas la grotte Pascaire qu'on reparlera, c'est la grotte des Trémies. Alors les Trémies, c'est quoi les Trémies? Ce sont des constructions dans lesquelles on a mené la roche qui était extraite des carrières. Donc on faisait descendre dans des corridors cette pierre et ces corridors arrivaient jusqu'au bord de l'eau pour charger ces pierres sur les navires qui partaient les amener pour construire différents bâtiments. Par exemple, l'arsenal de Toulon est construit avec de la pierre de Cassis, de la pierre des Calanques. Voilà ce que sont les Trémies. Alors la grotte des Trémies, elle se situe, je crois, quelque chose comme 12 mètres sous le niveau de la mer. Et c'est là où il y a la plus ancienne trace de présence d'hominidés. Ouais, d'hominidés. Allez, je vais dire d'humains. Parce qu'en fait, il s'agit de traces attribuées à Néandertal. On est à 300 000 before present, avant aujourd'hui. Donc c'est très très ancien.
Pour vous donner une idée, la côte Cosquer, c'est 30 000. 27 000, les mains négatives de la grotte Cosquer ont été datées à 27 000, 30 000. Before prison. Donc vous voyez, la grotte des Trémies, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Bon, je vais essayer de rattraper Chloé. Parce qu'à force de parler, de filmer, de regarder où il faut mettre les pieds, ben, j'avance pas. On est dans une lumière totalement irréelle, je trouve. Peut-être que ce sont les lunettes de soleil, je sais pas. C'est... Voilà, le vallon de la réserve là, qui se découvre. On est en train de descendre dans ce vallon. On fait ce col. On va pas aller dans le vallon, en fait. On se juste par le col qui permet de basculer dedans. Ah, ils nous vont faire des zigozagos. Regardez-moi ces parois. Délaissées par les grimpeurs parce qu'il n'y a pas la mer en dessous. Ce qui est pas plus mal, d'ailleurs. Sentier Garrigue, col de la fenêtre. Col de la fenêtre. Donc ce chemin va nous ramener du côté d'Envaux, au-dessus de la Calanquin. On descendra pas dedans. Chloé à contre-jour, pour l'instant quatrième féminine. Grâce à Mickaël, que je salue, j'ai le classement des calanques et je peux te dire que Chloé, elle a fini deuxième. C'est rigolo, les trois féminines ont fini de manière successive, l'une après l'autre, et Chloé, elle a mis 8h19. Le temps que j'aurais gagné si j'avais réussi à la suivre. La calanque de Loul, avec à gauche la paroi du Belvédère, avec une des voies les plus, je parlais de ça Chloé, une des voies d'escalade les plus célèbres des calanques. Les futurs croulants parce que quand ils ont ouvert ça, je crois que c'est dans les années 60-67, les gars devaient avoir la trentenaire et considérer que dans pas longtemps ils allaient être des vieux quoi, des croulants. Et en même temps, la voie porte bien son nom parce que la longueur la plus esthétique passe sous un toit et ce toit a connu quelques vicissitudes. Il y a une partie qui s'effondrait quoi, il y a de cela quelques années. Voilà un nom de voie prémonitoire. Tu vois, c'est rigolo de parler des futurs croulants, parce que les futurs croulants, c'est une voie qui a été ouverte par 5 grimpeurs, dans, je crois en 64, 68, je ne sais plus ce que je dis dans la vidéo, 67, enfin vers là. Et parmi ces 5 grimpeurs, il y en a un qui s'appelle Jacquel. Et Jacquel, on lui doit la première édition, les premières éditions, de ce qui deviendra plus tard le Trail des Calanques, et qui s'appelait en 1985... le cross des calanques. Il n'y a pas de hasard. Jacquel, un pionnier. Le mec, il aura laissé une trace dans ce massif et ailleurs, puisque ce cross des calanques, à l'origine, c'était une prépa pour la saison d'alpinisme. Le devançon derrière nous. Et là, on monte vers le col des Charbonniers. Devant nous, la Candelle, face sud et est. Là, on est au-dessus d'une paroi qui s'appelle la Concave, qui a la particularité d'être déversante dans sa plus grande partie. Et là, le point de vue, c'est donc Candelle, droite, et la Calanque en bas avec le l'îlot qui ressemble à un bateau, un torpilleur, il appelle ça le torpilleur. C'est la calanque de Sugiton et puis derrière elle s'ouvre la calanque
de Morjou. Et au fond, l'île, c'est Riou. On voit même le rocher des Goudes. Voilà, là on est juste au-dessus de la concave. Et on voit bien les lecs en bas, les dalles. La Candelle, 454 je crois. Et Cap Gros derrière, qui est un contrefort de Puget. On arrive à un lieu emblématique, le col de la Candelle. Toute la partie marseillaise des Calanques qui s'étale devant nous, la partie ouest. Et on va dire au revoir à la partie est. Bonjour. Numéro 2. Et on bascule. Petit coucou à la Candelle. Là devant il y a le Candelon, il se distingue mal, mais c'est une Candelle en miniature derrière la Candelle. On part sur une descente avec un chemin, tout d'abord un chemin panoramique au-dessus de Sugiton. Là, il faut essayer de courir, il faut réussir à courir. Là on voit bien la raide de la Cordée, célèbre voie d'escalade, il n'y a pas de grimpeur dessus aujourd'hui. C'est la voie la plus facile pour aller au sommet de la Candelle en suivant cette arête très esthétique, comme vous avez pu le constater. On part dans la descente qui va nous amener sur le sentier, la piste de Sugiton. C'est une descente extrêmement fréquentée, donc extrêmement usée. Du genre qui patine. On descend sur la Calanque de Sugiton par le Rouge qui passe par la paroi des toits. C'est un chemin un peu technique. Voilà. Si tu as la chance d'avoir la Sainte-Victoire pour t'entraîner, pas loin de chez toi, bon, t'es pas dépaysé. Sinon, comment dirais-je Bon, ça se fait, hein, caméra en main, ça se fait. Hein. Ça va pas filmer droit, c'est sûr, mais ça se fait. Hop. Et là, devant nous, la fameuse paroi des toits, bonjour, qui est avec la grotte de l'Ours, qui est juste au-dessus, d'ailleurs. Eh bien, les deux parois sportives les plus belles des Calanques. Bon, alors, la paroi des toits, c'est devenu quasi ingrimpable, puisque, comme vous le constatez, il fait un temps exceptionnellement beau. Je vous ai pas montré les chenilles processionnaires, que l'on appelle ainsi parce qu'elles se déplacent les unes derrière les autres, et qui sont des chenilles, elles sont pas méchantes, mais elles sont urticantes. Vu qu'il fait tellement chaud maintenant, il n'y a plus de grimpeurs, parce que même en hiver, il n'y a plus les conditions pour faire les voies les plus remarquables de la paroi des toits. Ça monte pas bien haut, ça va jusqu'à, je crois que le plus dur c'est peut-être un 8B. Je crois. C'est d'ailleurs pas une voie
emblématiques, les voies emblématiques, elles sont plutôt entre le 7C+ et le 8A+. On arrive à la calanque de Sugiton. De magnifiques escaliers en béton, très intéressant, là, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà les fameuses chenilles processionnaires. Attention, sont gentilles mais urticantes. C'est beau cet escalier en béton armé. Alors vous demandez peut-être pourquoi y a-t-il un si bel escalier en béton armé dans l'une des calanques les plus prestigieuses, belles, Sugiton. Alors que ça devrait être un endroit protégé, je sais pas, patati patata. Eh bien la réponse est simple. Les Allemands ont installé quelques batteries dans le massif des Calanques, et notamment entre le Belvédère et Sugiton. Je vais vous montrer un autre vestige dans peu de temps. Ça, c'est du beau béton armé allemand de la Seconde Guerre mondiale. Merci l'Allemagne. Et là, une nouvelle échelle depuis peu. C'est l'un des endroits les plus aménagés du parcours. Voilà. Ils ont installé une corde. Ouais. C'est sympa. C'est parti. Hop là. Ça me permet de m'asseoir un peu, c'est cool. On va prendre plein centre. La corde s'arrête ici. Et là, le rocher est extrêmement patiné en fait. Bon, avec une bonne paire, avec de la Vibram, ça tient très bien. Bonjour monsieur. On quitte Sugiton, on vient de basculer du côté de Morjou. On a contourné l'aiguille de Sugiton que je vous montrerai plus tard. Putain, mais ça patine quoi, c'est incroyable. C'est incroyable comme ça patine. Même avec de bonnes chaussures, avec du Vibram. Salut, ciao! L'aiguille de Sugiton, au-dessus, le belvédère, où il y a un belvédère qui est en fait une ancienne position de batterie de la Seconde Guerre mondiale, une batterie allemande. Et on se rapproche de plus en plus de Morjou. J'imagine que c'est là où il y a le ravitaillement le plus stratégique du parcours, le troisième. Très, très bel escalier historique. Bonjour. Salut. On sort de la montée qui nous amène de Morjou jusque sur la crête qui sépare Morjou de Sormiou. Il y a une ambiance incroyable à cet endroit. Allez, prends, on lâche un ravitaillement dans 3 km. Encore ? Parti pour une descente. Sympathique. Alors toute cette partie du parcours à partir de Sugiton, c'est montée, descente, montée plutôt raide et descente forcément technique.
Voilà la calanque de Sormiou qui se présente devant nous avec le bec. C'est la paroi qui termine la calanque à gauche. Grippe il là. Il reste quoi 18 ça tourne ou pas hein là, ça tourne. Voilà qui c'est qu'on croise. On pensait s'en être débarrassé, mais non. Grand raid du Guy S3 Kera. Pierre. Pierre Caftangian, organisateur de tous ces événements du Guy S3. Voilà, mais ça me fait plaisir de on t'avoir vu. On la chaleur un peu et le technique. Ouais. Chez nous, il n'y a pas des pierres comme ça. C'est ce que je disais à la caméra. Ouais. Je disais les descentes, elles sont forcément techniques. Voilà. Et du coup, tu fais attention et il faut faire gaffe. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es fatigué, ça se mérite. Ouais. C'est les calanques, ça se mérite. Ouais. Ça ressemble un peu à la Corse, ça se mérite. Et tu as des points de vue de folie. Allez, les gars, allez. Regardez comme ils sont frais, comme ils sont beaux. Ils sont frais comme des cadeaux. Ouais, voilà, ils sont beaux. Allez. Pierre, à plus. Allez, ciao. Ciao. Bye. Ciao. Très chouette de rencontrer Pierre dans ce qui est en fait l'un de ses territoires. Hein. Connaît les calanques comme sa poche. Et moi, j'ai une forme, comment dirais-je, pas flambante. Si tu veux voir ce dont est capable Pierre Caftangian en termes d'organisation, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et puis, tu peux aussi aller voir celle-là. Et grâce à Logan Lacroix, parce que j'ai moi aussi mes informateurs, je sais qu'il est sorti, il y a de cela 2-3 jours, un article sur Esprit Trail qui parle justement de l'Ultra Trail du Guy S3 Kera et qui le présente comme le plus dur d'Europe. Je pense que l'échappée belle, compte tenu de la technicité du terrain, est plus difficile. Mais bon, il est évident que l'Ultra Guy S3 Kera, c'est un must. Et quand tu arrives au bout d'un tel morceau, what else? Et c'est le moment où jamais d'en parler. Tout à l'heure, quand on était sur la dorsale, quand tu la continues jusqu'au bout, bon, évidemment, tu tombes dans la mer. Et là, il y a une anse qu'on appelle la triperie. Et dans cette anse, c'est une paroi qui tombe direct dans la mer, eh bien, à 37 mètres sous le niveau de la mer actuel, il y a l'entrée. Voilà, là t'as deviné. Il y a l'entrée de la grotte Cosquer. La plus célèbre de toutes les grottes ornées du sud-est. Non, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que... Oh tiens. Ouais. C'est super, il y a des gens qui t'encouragent, ils sont trop gentils. Alors que tu mérites pas, quoi. Non, c'est pas la plus belle du sud-est, puisqu'il y a quand même Chauvet, bien entendu. Bref, c'est une grotte exceptionnelle, où il y a un facsimilé à Marseille, qui est une réussite, je trouve. Et l'animal, alors d'abord les peintures, les mains datent de 27 000 before present, et les peintures 18 000. On est dans le gravétien, le haut gravétien. Et la particularité, c'est qu'on a une faune qui est représentée, qui est une faune arctique. Il y a notamment deux pingouins affrontés, tête à tête, qui sont devenus d'ailleurs, il y en a un des deux qui est devenu le symbole de cette grotte découverte. Ah, ça coule le nez, c'est la grippe, c'est comme ça, ça coule le nez. Découvert par Henri Cosquer, d'une manière un peu flibuste, avec son bateau, qui, alors c'est pas lui qui l'a nommé comme ça, parce qu'il l'avait acheté, avec son bateau qui s'appelle, je crois qu'il est toujours en activité, le Cro-Magnon. Non mais alors là, franchement, découvrir la grotte Cosquer avec le Cro-Magnon, je te dis parfois... Il y a des coïncidences heureuses. Dans la montée de la calanque de Sormiou, direction le col de Sormiou, n'est pas rendu. Sormiou.
Et on arrive au ravito numéro 4. Ah, la Kylian, première du 36. C'est pas fini, mais comme je le sais, je le dis. On quitte le col de Sormiou, on passe le col de Cortiou, qui est réputé pour ses... Et après, les odeurs, oui. Ses odeurs de lavande. C'est ça. Exactement. Voilà. De lavande, de... Enfin bon. Enfin, vous voyez, quoi. S'il n'y a pas de vent, on risque d'avoir cette odeur, puisque un des égouts de Marseille se déverse là. Là, ici. C'est fou, non? Le massif qu'on a devant nous, c'est le massif de la Bougie. Droite, il y a la Bougie. C'est un pilier. On distingue un peu là, on devine que c'est un pilier. Et ça me fait penser que j'ai oublié de dire pourquoi on appelle la candelle, à mon avis, c'est la candelle, c'est la chandelle. Notre bougie, quoi. Manque un peu d'imagination. Merci. L'archipel de Riou. Et là d'où on vient, hein, c'est magnifique, c'est incroyablement beau. L'archipel de Riou, un petit mot dessus. À la fin des années 90, un pêcheur a retrouvé une gourmette. Sur la gourmette, il y avait le nom d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943, bon, bien sûr. Terre des Hommes, Paul de Nuit. Et il a décidé, bien qu'il n'était plus mobilisable, de participer à l'effort de guerre, et donc il a été envoyé pour repérer, préparer le débarquement de Provence et donc faire des repérages sur les côtes provençales. Alors il y a eu un petit débat sur la gourmette, est-ce que c'était vraiment la sienne ou pas. Bon, quand on la voit, il n'y a pas de doute, hein. Mais elle aurait pu se trouver là pour une autre raison. Sauf que début des années 2000, eh bien, a été retrouvé son avion, ce qui corroborerait l'hypothèse qu'il a été abattu lors de sa mission de repérage du 31 juillet 1944. Par un pilote allemand. Oui, parce qu'il y a un pilote allemand qui, bien des années plus tard, a dit avoir abattu ce type d'appareil dans ce secteur. Fin du mystère de la disparition d'un des écrivains parmi les plus humanistes de la littérature française du XXe. Le vallon de la Mounine avec la tête de la Mounine. Et on arrive, il y a un petit bâtiment là, on arrive à la calanque de... Mince. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Podesta? Je vais demander. Ah oui, numéro 2. Bonjour. C'est la calanque de Marseille Vert. Ah oui, c'est Marseille Vert. Marseille Vert. Ça a l'air bon ce qu'il y a à manger là. Merci. Allez, on s'enfonce dans le vallon de la Mouline, qui va se terminer par une montée bien raide, qui va nous faire basculer du côté de Calelongue. On descend avec juste en face de nous la face de la tête de la Mouline. L'autre côté, ça doit être la pointe Calot, et là, la calanque de Marseille Vert. Puisqu'on est dans le massif de Marseille Vert. Cette partie du massif, c'est la colline Marseille Vert. On voit très bien Marseille Vert. Et là,
À droite sont les Goudes, le rocher de Saint-Michel d'eau douce, et on devine le rocher des Goudes, je vous le montrerai. Rocher caractéristique, emblématique du massif. Il est de partout, Pascal. Marseille, Provence, Production. Ouais, mais il est HS, hein, Pascal. Il est alors, HS, mais bon. Apparemment. Il fait moins de kilomètres que Franck. Ouais, mais bon, là, alors là. J'ai vu tous les rouges qui me dépassent. De toute façon, là, sur cette partie du parcours, il n'y a que le 56. Avant, tu avais le 36, donc tu te fais doubler par les verts. Tu te dis, bon, ça va. Par les rouges, c'est plus dur psychologiquement. Et Pascal, il repart. Il repart sur le grand raid. Oui, c'est pas encore sûr. Hein. C'est pas encore sûr. Mais bon, on verra. L'île Meir. Et en bas, Cale Longue. Et de ce côté, bah, il est là, le rocher des Goudes, c'est lui. Alors Pascal m'a appris que, il semblerait qu'une fois arrivé à Cale Longue, on doit, enfin le programme, c'est monter au sommet de Marseille Vert. Je peux te dire que je me sens pas. Je me sens pas, va falloir le faire, mais je me sens pas. Dernier ravito. Un vrai Marseillais vous dira, si je veux aller au bout du monde, je m'arrête à Cale Longue. C'est beau. Le rocher des Goudes. Le rocher de Saint-Michel d'eau douce et celui-là, j'ai oublié son nom. Je suis donc en mode randonnée. Mais non, mais non. Bien accompagné. On souffle, on souffle. Et là, franchement, comme j'ai aucune énergie, c'est un pas après l'autre. Until the end. Et là, c'est. Ça grimpe un peu. Hop là. Putain, les mecs, ils savent pas bâtir, quoi. Ils ont un site exceptionnel, ils sont même pas capables de faire une maison qui. Voilà, qui tienne, quoi. Franchement, ils sont nuls. Ils sont mauvais. Bonjour. Et bonjour. Je te scanne juste. Hop. Oui. C'est tout bon pour vous. Regarde-moi cette vue là. Oh, c'est pas mal, hein. Incroyable. Ah zut, on voit pas le stade. Ah oui, on voit le stade, on voit le stade. On voit le château de Parmelet. Château d'If, du Frioul. La Côte Bleue, Saucé Trail, Garicaro, l'Estac. Pardon ? Niolon. La chaîne de l'étoile, ça c'est super beau, la chaîne de l'étoile, ce qu'il y a de plus beau en Provence. Et derrière, on voit la Sainte Victoire. Ouais, gare là-bas. Mont-Aurélien. Sainte-Baume, Pic de Bartagne. Et puis tout le reste, on connaît, on n'a pas arrêté de crapahuter dedans. Merci, donc on est au sommet de Marseille Vert. Tout à fait, la croix est juste là. Oh, génial, c'est bien fait ça. Voilà la croix de Marseille Vert. Est-ce à dire que l'on a fait plus dur? Qu'est-ce que j'ai pris cher? J'ai aucune excuse, en plus je suis dans un terrain qui me convient parfaitement. Aucune excuse et on descend. Et le meilleur pour la fin. Ouais. Ça patine un ch'touille. Vous savez pas bien ce que j'ai fait. Le plus simple, c'est là. Hop, changement de.
Allez Fred. Câble neuf, câble neuf. Ah ben. Là on est à baie ouvert. Allez courage. Ah, c'est beau, c'est beau baie ouvert. Mais oui, une belle vue à 360. Ouais. Ouais, super. C'est la baie ouvert, fais gaffe, il y a une chemise processionnaire juste là, ouais. Frédéric. Oui, mais pas la main dessus. Bonne journée. Bonne journée à vous. Baie ouvert, la belle vue. Voir beau. Il faut aller tout droit là. On s'est tapé une boucle cadeau. Ça descend, ça remonte. Et là, ça va redescendre et ça va remonter un coup. Ça, c'est sûr. C'est ça. C'est ça le trail. Quelle allure! Le numéro 2, c'est Franck. Numéro 2. Dos. Numéro 2 à jamais. Ouais. Eh oui. J'espère. Pas deuxième du classement. Numéro 2 à jamais. À jamais. Sur l'édition 2024, à jamais. À jamais. C'est par là. Oui, c'est ça. Donc je crois qu'on entame la descente finale. On va sortir du massif. Le sentier n'a pas vraiment remonté. C'était plein de relances. Difficile à faire. Mais j'étais un peu mieux que tout à l'heure quand même. C'est le sentier du président Pélissier. C'était écrit. C'est pas que je le sais, c'est que je viens de l'apprendre. On arrive à Pastrey. Oh, je me suis fait encore, mais alors... Je me suis pris 5 coureurs là. Pourtant je me sentais bien, j'ai un bon rythme sur la fin. Non, enfin non. Regardez comme cette bâtisse est belle. La bourgeoisie marseillaise du 19e. S'embêtez pas. On devrait pas être loin là. Oh mince. Oh beau. Je suis à moins de 10 heures. Je vais en mettre 7. C'est bon, on peut s'arrêter là, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Très bien, super. En plus, dans le classement du Trail des Calanques, ils sont un tout petit peu taquins. Ils te donnent le temps moyen pour effectuer le parcours. Et cette année, ce temps moyen est de 9h42. Comme j'ai mis 9h55, je suis même pas dans la moyenne. Comme je suis content de le rencontrer en chair en os, le Menez Trail. Philippe, en fait, il s'appelle, parce que maintenant je le sais, c'est Philippe. Voilà, c'est écrit. Alors, interview Flibus. Ouais, c'est quoi Flibus, du coup, faut faire quoi? Ben, c'est une question un peu piège. C'est genre, je dis n'importe quoi. Est-ce que les ukulélés à 5 cordes, ça existe? Je dirais que oui. Mais... Il ne sait pas. Non, tu vois, il ne sait pas. Déjà, premier piège. Deuxième piège. À 3 cordes, ça existe parce qu'une fois, je l'avais fait tomber et il restait que 3 cordes. Même à 1 corde. À 1 corde. Après, à 0 corde, c'est plus que de la percussion, quoi. Je veux dire. C'est vrai que ça peut percuter. Dis donc,
Tu les changes tous les combien? Parce que tu dois tomber de temps en temps et les abîmer un peu. Ouais, il prend un peu cher. Celui-là, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, et le précédent, je l'avais gardé pas mal de temps. T'avais fait l'échappée belle intégrale. Ouais. Tu l'as faite. C'était l'une des premières d'ailleurs. Regardez, cet homme a fait l'échappée belle intégrale avec un ukulélé. Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment les autres, ils ont réussi à le finir sans ça. Excellent. Mentalement. Tout à fait. Ah bah oui. Il a combien de kilomètres celui-là? Le combien de kilomètres? Quand on aime, on compte pas. Hein. Un paquet, ouais. Mais il a un beau palmarès déjà, ouais, lui. ouais, bravo. Et alors, vraiment un truc qui me ferait plaisir, vraiment plaisir, tu vois. Ouais. Je suis retombé dedans il y a pas longtemps. Katonoma. Katonoma. Pas de malentendu. Pour c'est du grec, c'est un groupe français. Okay. Katonoma, ça veut dire en grec comme son nom l'indique. Okay. Ah ouais. On n'est pas plus avancé. Il y a une chanson qui s'appelle La Chambre, tu connais? Pas du tout. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous direz « c'est bizarre ». Tu connais pas? Pas du tout. Moi alors Brassens, ah, mourir pour des idées. Waouh, bravo! Alors je l'ai pas, mais j'ai Brassens, j'ai les copains d'abord. Les copains d'abord. Allez. Les copains d'abord. Ouais, parce qu'on est tous des copains. Le gars, il vient de faire 56 bornes et il y a. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grande mare des canards. Et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. La grande mare des canards, c'est la Méditerranée quand même, pour le dire. C'est vrai. C'est vrai. Bah voilà. C'est pas très... Hein, c'est pas... Bah c'est... du coup, c'est raccord, on l'a longé. Oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est pas sympa pour la Méditerranée. Merci beaucoup, Philippe. Ben, merci, bravo à toi.